Yo les gars, c'est Peanut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, donc le tuto que vous m'avez demandé lors de ma précédente vidéo sur comment avoir l'argent illimité, être invisible, invincible, avoir des très hauts levels sur GTA V, etc. Donc certains avaient trouvé le tuto que c'était en fait donc le DNS a changé. Alors pour aller dans le DNS, bon moi là je suis sur PS3. Mais pour Xbox, ça devrait être à peu près pareil, je pense. Donc vous allez aller dans vos paramètres réseau, comme ceci. Vous descendez jusqu'à paramètres de connexion Internet. Là, vous faites OK. Voilà. Là, vous faites sélectionner une méthode de réglage. Vous faites personnaliser. Sans fil. Moi, je suis sans fil. Paramètres WLAN manuellement. Livebox. La W machin. La clé, on zappe. Configuration d'adresse IP, on zappe aussi automatique. DHCP ne pas définir, on laisse comme ça. Et là, vous allez avoir configuration du DNS. Normalement, c'est sur automatique. Là, vous mettez manuel. Et là, vous rentrez le DNS que vous voulez. C'est-à-dire que moi, donc là, comme vous le voyez à l'écran, j'ai les DNS primaires 38.99.170.101. C'est un autre DNS. Moi, le DNS que je vous avais montré dans la vidéo de GTA, c'était le 54.206. Point 66, point 136. Voilà. Donc vous rentrez ça en DNS primaire. En DNS secondaire, vous laissez tel quel. Ensuite, MTU automatique. Serveur proxy ne pas utiliser. UPnP activé. Tout ça, ça change pas. Donc je ne teste pas la connexion. Je vais directement essayer de me connecter justement. Voilà. Et donc voilà. Écoutez, ce DNS, il n'y en a pas qu'un. Il y a vraiment pas mal de DNS sur YouTube. Je sais qu'il y a un YouTuber qui a fait une vidéo où il a mis 100 DNS en ligne, comme ça, en vidéo. Donc, chaque DNS peut être différent. C'est-à-dire que quand vous faites un kill, par exemple, d'un piéton, ça vous fait rapporter tant d'argent. Mais ça pourrait vous faire rapporter peut-être plus ou peut-être moins, etc. etc. pour tous les autres DNS. Donc, moi, mon DNS était plutôt pas mal dans le sens où ça me faisait quand même rapporter assez d'argent assez rapidement. Il faut savoir aussi que il y a un youtubeur qui s'est fait ban, un youtubeur de la POA, parce qu'il était beaucoup trop haut level. Et donc voilà, donc après moi ça me fait flipper parce que justement j'ai pas mal joué avec ce glitch. Et sans m'en rendre compte en fait j'étais donc niveau 201. Les niveaux continuaient d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter. Au bout d'un moment c'est redescendu niveau 201. Et j'ai déconnecté, j'ai reconnecté avec le glitch. C'était toujours niveau 201. Donc du coup je pensais m'être fait niquer. Sauf que quand j'ai voulu rejouer sans le glitch cette fois, donc quand j'ai remis ma DNS normale en automatique, je me suis aperçu que tous les niveaux que j'avais montés, qui avaient soi-disant disparu, en fait ils étaient bien activés. Ça veut dire que là je me retrouve level 853 avec pas loin de 40 et quelques milliards de dollars, et donc bien évidemment tout le reste de débloqué. Donc tant mieux, mais apparemment Activision, n'importe quoi. Apparemment Rockstar prendrait des mesures dans le sens où ceux qui sont trop haut level, ils auraient des risques de se faire ban. Donc ça serait mon cas, forcément, parce que vous allez dans un multijoueur, enfin dans un GTA Online et vous tombez sur quelqu'un qui est level 850, vous vous dites, il a quand même un petit peu cheaté, hein. Donc là, j'essaye, tant bien que mal, de me connecter online. Pour vous montrer vraiment que ça marche, c'est-à-dire que là je suis en mode glitch. Donc normalement ça devrait marcher. Normalement. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura fait plaisir. Sachez que c'est vraiment un tuto très très simple. Il n'y a pas plus compliqué. Il n'y a pas plus simple. Enfin si, il y a plus compliqué, mais voilà. Il y a pas... Je me suis craqué. Mais il n'y a pas plus simple. Franchement, il n'y a pas plus simple. Vous avez juste à aller dans les paramètres de connexion Internet et de modifier une ligne. Et de rentrer les chiffres qu'on vous donne déjà. Donc après, je vois pas comment vous pourriez ne pas réussir à côté de ça. Donc pour Xbox, j'imagine que c'est pas la même présentation que sur PS3. Normal. Après, je pense que tous ceux qui sont fans d'Xbox, qui ont une Xbox, vous êtes tous capables d'aller dans les paramètres de connexion Internet et de trouver la même chose que sur PS3. En vous référant à ma vidéo, je pense qu'il y a possibilité de voir la même chose que moi et il y a moyen de se repérer. Voilà, donc ça marche normalement encore. Faites gaffe quand même à ne pas trop jouer avec ça, c'est-à-dire que
Si vous voulez de l'argent et un petit peu de level, et bah écoutez, je vous dirais juste de faire une course. Vous faites une course, hein. Une course assez rapide. Vous montez directement level 200. Level 200, moi je vous conseille de vous arrêter là. C'est-à-dire qu'après ça, une fois que vous êtes passé level 200, vous braquez à peu près 2 ou 3 magasins. Hein, 2 ou 3 magasins de vêtements. Comme ça, vous êtes tranquille, vous êtes pépère. Et vous avez de l'argent, vous avez des hauts niveaux. Après, à côté de ça, bah, c'est terminé. Vous pouvez repasser en DNS normal. Et là, c'est vrai que vous allez bah, pouvoir jouer à GTA sans vraiment compter, sans vraiment regarder votre argent et ce qui vous bloquait avant. Moi, ça m'est arrivé. Hein. J'ai plus de 43 milliards de dollars. J'ai acheté toutes les voitures. Je les ai custom. Maintenant, mon garage, il est blindé de voitures. Et à chaque fois que je rejoins mes potes, qu'on va à l'aéroport et trucs comme ça, eh ben, je kiffe parce que j'ai des putains de caisses. J'ai toutes les armes et tout. Ça fait vraiment plaisir. Donc là, j'ai l'impression que le mode en ligne ne fonctionne pas. Alors, ça me fait un peu chier. Parce que depuis tout à l'heure, j'enregistre et... Et ça ne marche pas. Désolé, hein, je bois mon petit thé, tranquille. Bon, écoutez... Bon, apparemment, ça ne marche pas. Donc, moi, je vous laisse. Hein. Vous inquiétez pas, de toute façon, ça marche réellement. C'était Pineux, c'était la cacahuète, donc. Et ben, je vous dis donc à la prochaine pour d'autres vidéos. Dites-moi si ça a marché pour vous. En tout cas, pour moi, ça a marché. La preuve, je me suis connecté, j'étais sur le DNS. Et vous avez très bien vu quel DNS j'utilisais. Donc, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Pinette, prenez soin de vous, plein de bisous, bisous partout. J'espère que ce tuto vous aura été utile, j'espère qu'il vous aura plu également. Si c'est le cas, bah, je vous invite à laisser un petit pouce vert sur ma vidéo, ça me fait toujours plaisir, je suis content. Un petit commentaire pour me dire si ça a marché ou pas. Et si vous voulez vous éclater avec vos potes à faire des putains de parties avec des putains d'armes, des putains de voitures et des milliards de dollars, alors partage cette vidéo sur Twitter ou Facebook ainsi que sur YouTube et à tes amis. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye, c'était Pinette, plein de bisous, bisous. Bye.